Donc moi, je suis ici, on m'a présenté comme président de la coopérative Luciole. Déjà, je tenais à faire deux précisions. Donc je ne suis plus le président de la coopérative Luciole, parce que c'est un rôle qu'on a décidé comme tournant. Et c'est un élément important pour nous de tourner les rôles et qu'il y ait une espèce de fonctionnement horizontal plutôt que vertical, même de manière formelle. Donc ça c'était une première précision, et la deuxième c'est que je vais parler au nom d'un groupe qui est constitué de donc 38 foyers, donc je me permets de me positionner avec ma subjectivité et de ne pas parler au nom des autres, parce que c'est justement une des règles qui est importante pour nous, c'est d'avoir cette espèce de, voilà, de porte-parole. Voilà. Donc je ne suis pas porte-parole du groupe, je vais vous raconter ce que j'en vois en tant que moi, Olivier Krum, et il me semble que c'est une des clés de la réussite du projet, ceci. En fait, donc la motivation, on m'a posé plusieurs questions, alors j'ai fait très scolairement des chapitres comme ça, et puis je vais commencer par les motivations qui nous ont amenés à monter ces projets. Donc en fait, pour faire l'historique, les deux coopératives, donc la coopérative Luciole qui aura 14 appartements et la coopérative Équilibre qui aura 24 appartements, ce qui fait 38 en tout. Ces deux coopératives existent depuis environ 2005-2006. La coopérative Équilibre est une plus grande coopérative qui a aujourd'hui 160 membres, qui a construit déjà un premier bâtiment qui a 5 ans séjour et qui est à Crécy, qui a 13 logements et est en train de construire 24 plus, on va dire à peu près une centaine de logements en plus actuellement sur deux gros projets, dont celui-ci et le deuxième est dans le quartier des Vergers à Mérin. Donc ça c'est pour la grande sœur, c'est-à-dire la coopérative Équilibre, qui avait une espèce d'assise de crédibilité un peu établie au groupement des coopératives au moment de l'attribution des terrains. Et la deuxième est une coopérative de copains, familles qui construisent ça comme Équilibre au début, mais qui n'ont pas grandi. Coopérative Luciole. Donc on est toujours 14 appartements et là aujourd'hui on est 14 appartements et on n'a pas vocation à grossir. Donc on a deux types de coopératives différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une espèce de solidarité à la base pour offrir une crédibilité à une petite coopérative comme Luciole qui n'avait jamais construit. Le groupement des coopératives, qui est la fêtière des coopératives à Genève, a proposé à l'État que justement il y ait des partenariats qui se mettent en place et qui permettent de crédibiliser des petites coopératives qui n'avaient jamais construit. Ce qui est tout de suite, on voit l'aspect solidaire qui caractérise toutes les chartes de toutes les coopératives. Et donc, grâce à ça, on a obtenu un terrain en 2011. Donc, ce terrain-là, en droit de superficie. Donc, en fait, les motivations, je dirais que pour l'ensemble de toutes les gens qui vont habiter là-bas, c'est avant tout, toujours d'après moi, une envie d'autogestion, donc une envie de gérer son habitat, de participer à l'élaboration du projet, de toutes ses composantes, de s'amuser à imaginer toutes les choses qu'on pourrait faire, parce que quand tout d'un coup on obtient un terrain comme ça et puis qu'on se rend compte qu'en débloquant un crédit de construction on a un petit joujou à 14 millions, c'est assez drôle. Donc ce qui est rigolo, d'autant plus rigolo, c'est que ce budget, il faut le gérer à 38 foyers et il faut travailler de manière intelligente avec les architectes. Donc en gros, une des premières motivations pour moi, c'est cet enthousiasme à autogérer à partir du moment où on y habitera et avant à participer à l'élaboration du projet. Donc ça a commencé en 2012, l'été 2012 on a fait les premières réunions et là on emménage, les premiers habitants vont emménager à Noël et voilà, ça aura totalisé actuellement on est à peu près à 130 réunions, voilà, donc c'est très chronophage mais c'est très sympa. La deuxième motivation qui je crois est présente également dans toutes les chartes des coopératives, c'est de l'enthousiasme à sortir ou ne pas faire entrer plutôt un immeuble dans le monde spéculatif
qui caractérise si bien le monde immobilier à Genève. Donc ça, là, il y a quelque chose d'enthousiasmant, parce que quand on connaît des coopératives historiques qui aujourd'hui payent des 6 pièces à 1100 francs et qui se disent ouais, peut-être l'année prochaine on va baisser les loyers quand même parce qu'on a trop de fric, c'est assez rigolo. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui, ben, ce même 5 pièces, un propriétaire le loue facilement 4 à 5 000 francs. Et je dirais qu'un autre point pour moi, c'est d'avoir toutes ces marges de manœuvre pour construire de manière écologique, enfin de manière alternative, on va dire de manière générale. Parce que, bah, en fait, c'est nous qui décidons si les murs en béton, on peut les laisser bruts, c'est pas grave. Les plafonds, on les laisse bruts aussi, c'est pas grave. Là, on économise beaucoup. La paille, bah, on va la mettre nous-mêmes dans les caissons. On a fait, genre tout de suite, il y a 3300 heures de bénévolat pour la construction des façades paille que Stéphane vous a présenté. Et tout ça, on le décide nous-mêmes en réunion. Et en fait, à mon avis, c'est ce qui constitue les leviers qui permettent de faire tout ce qu'il vous a raconté. Parce que ce qui me semblait intéressant, suite à ce que racontait Stéphane, parce que ça semble plein de choses, voilà, on a fait plein de trucs, les potagers sur le toit, enfin, tout le monde croit que... Enfin, ça fait assez généreux, on va dire, comme projet. Mais actuellement, le 5 pièces est à 1850 francs. Donc voilà, on est sur du bas loyer. Mais on a un habitat qui nous semble, à nous en tout cas, très plein de richesses et enthousiasmant à habiter. Donc pour faire l'historique, les étapes clés, j'ai commencé par l'obtention du terrain, l'histoire des deux coopératives aussi. On a constitué le groupe en 2012 et on a d'ores et déjà un peu spontanément décidé qu'on ferait une espèce d'AG perpétuel toutes les 3 semaines, tous les 10 jours, donc 3 réunions par mois. C'est un point qui me semble essentiel dans la réussite de ce projet. Parce qu'on a tout simplement décidé, donc quand je dis ça, le corollaire, c'est de dire qu'on n'a jamais eu de comité. Et en fait, ça fonctionne donc avec cette espèce d'AG perpétuel plastique qui, au fil des réunions, évolue en fonction des possibilités de chacun et de chacune, des disponibilités, de l'enthousiasme, voilà. Et puis c'est coordonné par 2 représentants du maître d'ouvrage, dont moi-même et Christophe qui est dans la salle. Donc on est 2 à faire ce boulot. Notre boulot, c'est de faire le lien entre les archis, entre les banques, entre l'État et tous les futurs habitants. Donc en gros, tous les futurs habitants parlent d'une voix à travers nous. Et puis vice-versa, quand on a des informations, on les transmet. En gros, globalement, au début, tout le monde pensait que c'était un peu un fonctionnement tordu. Au final, nous, on pense que c'est un fonctionnement qui a été assez pertinent en termes de participation, parce que quand on n'est pas dans un comité, ben, on ne se sent pas obligé de venir. Et en même temps, on sent la possibilité de venir aussi. Donc, globalement, c'était un pari, mais on a fait tous ces 130 réunions. Il y a eu à peu près en moyenne 15 personnes à chaque fois. Et c'était très tournant. Donc c'était assez enrichissant aussi que tout d'un coup des gens en avaient un peu marre, se reculent ou alors avaient des choses à faire, se reculent du projet, 6 mois après reviennent avec la patate et puis viennent à toutes les réunions pendant 8 mois. Et puis voilà, c'est cette plasticité qui nous a semblé vraiment féconde et qui continue à l'être aujourd'hui. En tout cas, disons que on s'entend bien, c'est bon signe quand même. Donc en 2012, quand on commence, en fait le boulot, c'est d'abord de faire un cahier des charges, mettre en place aussi le fonctionnement des deux coopératives, d'établir un cahier des charges pour choisir un architecte. Alors on a décidé de ne pas faire de concours, ce qui me semble aussi être une bonne idée, bon, encore à titre personnel, parce qu'en gros on partait de la feuille blanche. Un concours, quand on organise un concours d'architectes, ça fait beaucoup de boulot pour tous ces sympathiques architectes. Et en fait, quand ils gagnent, ils ont déjà un projet quand même qui est ficelé. Et ce serait sympa de ne pas de repartir de zéro parce que voilà, ils ont déjà fait pas mal de boulot. Là, en gros, on a fonctionné par sympathie. C'est-à-dire qu'on a fait une liste d'archis. Tout le monde était invité à proposer des architectes. Ensuite, en réunion, on en a sélectionné 4. Qu'on a auditionné 2 soirs de suite, donc 2 bureaux chaque soir, avec des auditions généreuses, je ne sais plus, c'était 3 quarts d'heure, 1 heure avec les questions.
Et puis, du coup, ça nous permettait aussi de sentir... Enfin, il y a la dimension du feeling avec les gens, il y a la dimension de comment ils abordent cet exercice de l'audition, comment est-ce qu'ils ont déjà réfléchi au projet. Enfin, voilà. Donc, tout ça fait qu'on a, opté pour ATBA. Et voilà, ça c'était en 2013, début 2013. Donc ensuite, pendant un an, il y a tout un projet qui est en fait le cœur du projet, qui est toute l'histoire de la circulation, du fonctionnement de l'immeuble. Est-ce que les appartements sont traversants? Est-ce que tout le monde donne au sud? Est-ce qu'on construit des appartements en toiture? Parce qu'on pouvait le faire, mais on a préféré faire une terrasse pour tout le monde, histoire qu'il n'y en ait pas certains qui soient regardés bizarrement. Et enfin voilà, on voulait éviter de la distinction. Et voilà, ça a été un bel exercice pendant un an. Et effectivement, on peut dire que on sait exactement pourquoi il y a cette rue intérieure, pourquoi il n'y a pas ces ascenseurs, pourquoi il y a ces trous pour prévoir ces ascenseurs plus tard. Je pourrais même citer qui a proposé cette idée. Enfin, c'est ça qui est assez drôle, c'est que ça formalise une espèce de récit qui en fait fait partie de l'histoire de la coopérative, puis qui nous amène à avoir un peu de relations chatoyantes, on va dire, avec cette histoire. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est détail. En gros, on a tout choisi. Hein, donc voilà, jusqu'aux portes d'entrée, tout quoi. J'ai portes d'entrée, bon, c'est facile, mais les poignées, l'escalier est comme ça, les WC s'ouvrent dans tel sens. Voilà, donc bon, évidemment, c'est d'où les 730 réunions. Et ensuite, le point qui me touche particulièrement, parce que je suis par ailleurs architecte et que j'aime bien ces histoires de chantiers participatifs, on a le chantier qui a commencé en 2015 et qui est en cours de finalisation, et on est toujours sur la partie du chantier participatif. Donc là, en gros, comme je l'ai dit, ça représentait 3300 heures de travail en tout. Donc les gens ont pris ça c'était un engagement assez fort, parce que ça impliquait de prendre des semaines de vacances pour pouvoir bosser sur le chantier. Ce qui est assez drôle, c'est que tout de suite, les gens qui font pas de travaux manuels nous disent que dès la première journée que c'est génial, parce que ça les défoule, surtout les travailleurs sociaux. Et puis, évidemment, ça crée de la connivence entre voisins, ça change des réunions. Alors, à côté des réunions, quand même, on n'est pas maso. On faisait des week-ends informels. On a fait quelques pique-niques de parc. Enfin, voilà, on s'est fait quand même deux, trois choses qui permettaient aussi aux enfants de se rencontrer, ce qui était quand même un truc important. Mais le chantier de construire ces murs qui seront peut-être les nôtres, mais je sais pas sur quel caisson je bosse, c'est peut-être celui de Demian. Ça c'est assez drôle. Ça permet de construire du bien commun ensemble, ce qui est quand même un truc assez sympathique, et tisser des liens forts, de parler d'autres choses que de ce dont on parle pendant les réunions, d'en apprendre plus sur ses futurs voisins et voisines, et puis de s'approprier en fait le bâtiment avant qu'on y emménage. Et ça me semble l'essentiel. C'est-à-dire que d'une manière poétique, on peut dire qu'on voit la trace de nos mains dans les murs. On peut s'amuser à rêver comme ça, mais c'est un peu une réalité. Et ça me semble être très fort. C'est-à-dire qu'on tisse un lien fort avec ce bâtiment, comme d'une petite poterie maladroite qu'on aurait fait lors d'un atelier un dimanche. Donc ça, c'était l'aspect chantier participatif qui me semblait important. Et le troisième chapitre, ce qu'on m'a demandé, c'est quelles étaient les difficultés. Alors, je dirais que j'ai pas trouvé de difficultés, parce que je suis trop optimiste. Mais par contre, je dirais que c'est la difficulté, il me semble, c'était le lâcher prise personnel pour l'apprentissage du collectif. Parce que, évidemment, avec 38 appartements et 130 réunions, vous imaginez que des fois, il faut quand même avaler sa salive, tranquillement, hein, mais parce qu'on n'aime pas le rose et puis qu'on a choisi les volets roses. Je dis, non, c'est pas le cas. Mais disons que ce qui est intéressant vraiment, et moi j'ai pu le comparer dans des projets de type habitat groupé en France, où le statut coopératif n'existait pas encore, parce qu'il est revenu au goût du jour depuis peu, parce qu'il avait été supprimé dans les années 70. Sur la copropriété, en fait, on voit tout de suite la différence avec la copropriété, où en gros les gens investissent
une grosse somme d'argent. Enfin, c'est quand même quelque chose de conséquent. Évidemment, ils s'amusent, enfin, ils s'enthousiasment à construire ensemble et de manière compacte, écologique, tout ça. Mais tôt ou tard, enfin, en tout cas, c'est les expériences qui m'ont été relatées. Tôt ou tard, il y a une espèce de ressentiment qui se crée sur certains points, notamment économiques, notamment de distinction ou alors de vouloir personnaliser certaines choses ou pas. Ce qui fait que ceux qui ont plus d'argent peuvent se payer plus de choses, ceux qui ont moins d'argent peuvent pas. Et nous, il me semble qu'un des avantages, c'est qu'en gros, on a décidé de la localisation des appartements il y a très peu de temps. C'est-à-dire, c'était au printemps de cette année. C'est-à-dire qu'on a passé trois ans et demi à pas savoir dans quel logement on allait être. Et ça, il me semble que là, on touche un point important, c'est qu'on travaillait donc bel et bien sur du bien commun et pas de la copropriété. Donc lâcher prise personnelle pour apprentissage du collectif, il me semble c'est une leçon politique générale, parce que en fait à l'échelle de la coopérative on pourrait se dire que c'est l'échelle de la ville ou l'échelle de l'État ou l'échelle du pays. En gros, même si quand même le milieu socio-culturel dans lequel on baigne dans cette coopérative est relativement homogène, il y a quand même des différences de point de vue, des différences d'appréhension des choses. Et c'est en tout cas, moi, une chose qui m'a beaucoup apporté, c'est ce lâcher prise personnelle pour cet aller vers le bien commun. Donc pour conclure, il me semble que tout ce qu'a présenté Stéphane en termes d'écologie possible, donc toujours avec ses prix qui restent bas, c'est grâce au statut de la coopérative. Enfin, c'est notamment grâce au statut de la coopérative parce que justement, on a des marges de manœuvre beaucoup plus importantes. Et puis, on est aussi un peu combatif. Enfin, c'est-à-dire qu'on est, on en sent plusieurs. On est 38 apparts. Quand la direction générale de la mobilité nous dit non, il vous faut une voiture par logement, on dit non. Et si, en fait. Et en fait, aujourd'hui, on en a 14, donc c'est super. On a gagné là-dessus. Après, il y a d'autres éléments. Mais en disant que voilà, c'est toujours le même truc. À plusieurs, on se sent plus fort. Et puis, c'est de la psychologie sociale, quoi. Bon. Le participatif, moi, il me semble que c'est évident, mais je l'ai dit avant, c'est une forme d'appropriation de son habitat qui est au-delà de son logement. Et puis évidemment, le fait de pouvoir l'autogérer ensuite, c'est de la même manière de pouvoir décider comment on fonctionne collectivement. Et ça me semble très intéressant par rapport à ce que je disais tout à l'heure en termes de politique générale. Et puis pour finir, je voulais en fait sortir de la coopérative pour dire qu'en fait ces expériences participatives et d'appropriation de son habitat sont pas du tout le lot des coopératives. Mais moi, je connais un architecte que j'admire beaucoup qui s'appelle Patrick Bouchain, qui est un architecte français, qui a un bureau qui s'appelle Construire, tout simplement, et qui en fait fait la même chose mais avec du logement social. Alors évidemment, il est de connivence avec les bailleurs sociaux, mais il a fait par exemple un projet à Boulogne-sur-Mer avec 60 maisons locatives de type logement social qui étaient très mal en point, et il y avait 30 000 euros par maison. Donc les maisons, elles doivent faire 60-80 mètres carrés quand même. 30 000 euros, c'est pas grand chose, hein. Et en fait, une de ces démarches, c'est pour convaincre les gens que c'est super de faire du participatif et tout ça, parce que nous, en fait, c'est facile, on est convaincus dès le début. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'aller plus loin. Et donc, lui, sa démarche, c'est de venir habiter sur place, cash. Alors, le premier truc qu'il rénove, en fait, c'est la maison du projet. Donc, la maison du projet, c'est une de ses collègues qui s'était installée, qui s'appelle Sophie Ricard, qui s'est installée sur place, qui a habité au milieu de ces gens, avec ces gens pendant un certain nombre d'années, parce qu'elle s'est vraiment pris au jeu. Et puis, en gros, cette maison, elle était consacrée à un atelier maquette, à des échantillons de matériaux, à un grand panneau avec des idées qui étaient dessus. Et puis, c'est quand même intriguant, les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de ça, ça commence à les amuser. Parce que forcément, entre-temps, on fait des petits apéros et tout ça, et c'est quand même assez sympa. Et puis, ce projet, c'est un projet magnifique qui a rénové 60 maisons donc, comme je disais, de logements sociaux, pour un prix absolument dérisoire.
Chaque rénovation, il y a eu plein de particularités, notamment au niveau couleur, mais niveau forme, niveau appropriation de son logement à l'intérieur, enfin, disons, usage de l'espace. Et bon, tout ça pour dire que, en fait, c'est une volonté politique. Bon, là, c'est au niveau d'un architecte, mais c'est aussi au niveau du barrière sociale qui permet de faire ça. Et que c'est pas le. Voilà, il n'y a pas que les coopératives qui peuvent vivre ce genre d'expérience. Et puis je rejoins évidemment Lisa Mazzon sur le fait que, c'est, enfin, vous l'avez dit aussi, sur le fait que ça semble essentiel cette dimension de réappropriation de son logement au-delà de l'alimentation et de toutes les autres choses dont il faut se rapproprier, qu'il faut se rapproprier. Voilà.